Nous sommes revenus pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. On va poursuivre maintenant avec le Burkina Faso et le procès du meurtre ou de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. La prison à vie pour l'ancien président Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré, son ancien chef d'état-major et Hyacinthe Kafando. Toujours avec mes deux invités, Francisco Napokoura et Firmin Teko Agbo, du côté du Burkina Faso. Comme je le disais, l'ancien président Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire, a été condamné mercredi à la prison à vie dans le cadre du procès de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. C'était en 1987. C'est le président de la chambre de jugement du tribunal militaire urbain MEDA qui l'a annoncé. En mars dernier, le procureur militaire avait requis 30 ans de prison contre l'ancien chef de l'État avec Blaise Compaoré. Le général Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando écopent de la même peine. Des peines, Francisco Napokoura, plus lourdes que les réquisitions. On va regarder ce reportage qui revient un peu sur le prononcé de ce verdict et on revient pour le débat. Le verdict est enfin tombé. Les trois principaux accusés de l'assassinat de l'ex-président du Burkina Faso, Thomas Sankara, en 1987, dont l'ancien chef d'État, Blaise Compaoré, ont été condamnés ce mercredi à la prison à perpétuité par le tribunal militaire de Ouagadougou. Ce procès historique s'était ouvert en octobre 2021, 34 ans après la mort de Sankara. L'ex-président Blaise Compaoré... Son homme de main, Hyacinthe Kafando, et le général Diendéré ont été condamnés par le tribunal à une peine à vie. C'est-à-dire, c'est une condamnation à perpétuité. Maintenant, pourquoi ? Moi, j'estime simplement que ça paraît logique de ce que nous avons vu, entendu lors de ce procès. Au premier jour du procès, le 11 octobre, 12 des 14 accusés sont présents, dont le général Gilbert Diendéré, 61 ans, un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Les chefs d'inculpation sont complicité d'assassinat, assassinat, recel de cadavres et attentat à la sûreté de l'État. Le principal accusé, l'ancien président Blaise Compaoré, porté au pouvoir par ce putsch et ami proche de Sankara, est absent. Ses avocats ayant dénoncé un simulacre de procès devant un tribunal d'exception. Le juge a rendu son verdict, mais à tout le monde d'apprécier. Nous avons connu beaucoup de vérités, beaucoup de choses étaient dites. Bon, là, on a pu vérifier certaines choses et tout. L'opinion, je pense que les Burkinabés et l'opinion publique sait maintenant qui est le président Thomas Sankara, qui est l'individu, qui est l'homme politique, qu'est-ce qu'il voulait, ce que ceux qui l'ont assassiné aussi voulaient. De ce côté, en tout cas, je suis soulagée parce qu'on sait que qui il est. On l'avait traité de tout dans des discours et tout ça. On sait maintenant que, voilà, c'est un homme intègre. La plupart des 12 accusés présents, dont le général Diendéré, avaient plaidé non coupable. Ils ont 15 jours pour faire appel. Voilà donc, je dirais que le plus vieux fantôme du Burkina Faso peut... peut-être désormais reposer en paix si les accusés, les co-accusés ne font pas appel. Vous l'avez entendu vers la fin, ils ont plaidé non coupable. Est-ce que ça vous paraît logique que Gilbert Diendéré plaide non coupable alors qu'il était chef d'état-major à l'époque des faits, qu'il travaillait pour Blaise Compaoré qui a bénéficié du coup d'État? Est-ce que ça paraît logique qu'il plaide non coupable? Oh bon, tout d'abord, j'ai eu beaucoup d'émotions en regardant Madame Sankara et voir sa forme. Elle est encore en forme, sinon jeune. Et ses propos m'ont beaucoup intéressé en ce sens qu'elle a dit qu'aujourd'hui, on sait qui est et qui était Thomas Sankara. D'accord ? Et pas pour elle. La condamnation n'est pas la priorité. Et effectivement, la condamnation ne peut pas, des autres ne peut pas être la priorité, en ce sens que ce procès nous laisse quand même sur notre soif. D'accord ? Bon, au-delà des gens qui demandent l'acquittement et qui plaident et non coupables, et nous laisse sur notre soif parce que. Il y a beaucoup de zones d'ombre autour de ce procès. Et
on n'a pas vu tout ce qui devrait être comme complicité externe, parce qu'on se rappelle que c'était à un sommet de l'Union africaine quand Sankara prononçait son discours devant le président Mitterrand, qui a fait avaler au président Mitterrand son discours qu'il avait préparé. On peut dire que c'est après cet événement que Thomas Sankara a été assassiné. Est-il que la complicité, sinon l'autorisation de son installation, de son assassinat venait de l'extérieur, puisque la France même n'a pas pu déclassifier la totalité, n'est-ce pas, des documents, des archives qui devaient permettre au Burkina Faso de faire un vrai procès et de ressortir vraiment les vrais complices de ce. Pourquoi d'ailleurs Djibril Diendéré, qui n'était pas là, et Thomas Sankara, et je dis Thomas Sankara, Blaise Compaoré, qui ont fait la fuite en avant, c'est-à-dire n'ont pas eu ce courage de venir répondre et de parler de ce qu'ils savaient. Mais par contre, on peut féliciter le général Diendéré d'avoir eu le courage de rester, même si il n'a pas livré tout le secret. Cela suppose que ce procès a été organisé peut-être juste pour blanchir les vrais coupables, puisque et c'est tout à fait normal quand les Gilbert Diendéré demandent à ce que il soit acquitté, parce qu'on n'est pas allé au fond. On n'est pas allé à la fin de ce procès pour voir vraiment les commanditaires et les vrais commanditaires. Donc on a tourné autour de on a dépensé l'argent du contribuable burkinabé, jeté de l'argent par la fenêtre, parce que le procès n'a pas apporté toute la clarté. Firmin, est-ce que vous pensez que ce procès a permis de savoir ce qui s'est passé en 1987 ? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on n'a pas dit exactement ce qui s'est passé en 1987. Ce qui a conclu à l'assassinat ou à l'atteinte à la sécurité de l'État. Le contenu, ça nous échappe toujours. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce qu'on nous a appris de par le passé, ou peut-être c'était des rumeurs, que c'était peut-être l'Occident avait une main derrière et tout ça là, on n'a rien appris de tout ça. Si c'était la France était dedans, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que les avocats ne peuvent pas nous dire aujourd'hui que bien sûr c'était Blaise Compaoré peut-être téléguidé, ou que le complot a été peut-être préparé peut-être ailleurs avec dans certains pays hors du Burkina Faso, qui était derrière, qui étaient ces jeunes officiers qui n'étaient pas burkinabés, mais qui étaient derrière, comment le coup d'État a été préparé. Bon, on n'a aucune de ces informations là. Moi, je me dis peut-être on a juste voulu montrer ou faire plaisir à la famille Sankara qui souffrait et qui continue de souffrir. Moi, je pense qu'on a voulu juste faire plaisir à la famille Sankara et aussi peut-être régler un compte à Blaise Compaoré et au général Djibril Diendéré. Mais est-ce que la vocation de ce procès était de remonter les ficelles pour voir qui est au sommet? Parce qu'au-delà de celui qui serait peut-être tapis dans l'ombre, c'est des Burkinabés qui ont tué leur propre chef d'État. Oui, c'est des Burkinabés, mais au-delà de tout, on doit avoir la vérité. C'est la vérité, au moins, ne serait-ce que pour l'histoire. Ne serait-ce que pour l'histoire. Bien sûr, pour les Burkinabés, oui, on dit tel Burkinabé a tué. Mais la vérité, pourquoi on l'a assassiné? Et ça qui était important, pourquoi on l'a assassiné? Peut-être il était jeune, hein, et là, on pouvait l'assassiner. Mais moi, vous savez, moi, quand on parle de Thomas Sankara et de Lumumba, je suis un peu mal à l'aise, parce que je ne vois pas les choses de la même manière que les autres, comme Francisco Napokura, par exemple. Moi, je suis tellement mal à l'aise, parce que pour moi, les Thomas Sankara n'étaient pas, excusez-moi, des modèles, au fait. Ils étaient des modèles peut-être pour une certaine jeunesse, même pour moi, c'était pas trop de modèles. Parce que Thomas Sankara, il a tué, lui aussi, il a tué avant d'arriver au pouvoir. Il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État en 1983.
Il a tué des gens en 1983 et il a été porté au pouvoir par un coup d'État. Donc Thomas Sankara, ce qui lui est arrivé en 1996, c'est ce qu'il avait fait à d'autres en 1983. Donc si jugement il devrait y avoir jugement aussi par rapport à 1983. Donc si on doit faire un procès véritable, on doit faire un procès pour ce qui s'est passé en 1983. On doit faire un procès pour ce qui s'est passé en 1987. On doit faire un procès pour ce qui s'est passé en 2022. Vous imaginez, il y a une junte, il y a des militaires qui sont au pouvoir, mais qui sont en train de... C'est sous cette junte-là que la justice là s'organise comme ça. C'est sous cette junte-là que la justice condamne pour un coup d'État. Alors que si la justice devait être crédible, elle devrait commencer par ceux qui sont au pouvoir. Mmh. Parce que eux aussi, ils ont fait la même chose que peut-être Blaise Campore et Carpando et Diendéré auraient fait en 1987. Mmh. Donc, vous savez, nous sommes dans une situation de non-droit. Et moi je dis, au fait, le problème burkinabé n'est pas là, à ce niveau. S'il y a une des raisons qui ont fait partie de Roque Caboret, il y a aussi cette raison-là. Ils ne devraient même pas ressusciter cette affaire. Le procès commence en 40. Vous avez commencé tout à l'heure par évoquer les propos de la femme de Thomas Sankara. On a l'impression que, enfin, en l'écoutant et en y repensant, que pour elle, ce procès était plus une manière de réhabiliter son mari. Ben justement, c'est ce que j'ai dit, parce qu'elle n'a nullement fait allusion à la condamnation. Mmh. Parce qu'ailleurs, souvent, quand les interviews après procès, les gens sont satisfaits ou insatisfaits de comment l'appelle-t-on, du degré de condamnation. Si ça n'a pas été le cas pour elle, ça a permis aux gens de savoir qui était son mari. Mmh. Filmé a touché du doigt une des choses importantes. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que on aurait eu la présence de Blaise Campore et des autres co-condamnés qui ne vont même pas faire la prison. Ils sont loin de la prison puisque Blaise Campore est à l'extérieur et Diendéré est à l'extérieur, donc il n'y a que le général qui a eu le courage d'affronter les choses, qui ne pouvait pas dire autre chose, parce que quand les archives n'ont pas été déclassifiées, ça veut dire que certainement tous ceux qui ont fait le procès ont un fusil derrière la tempe, c'est-à-dire qu'un pistolet derrière la tempe, parce qu'on ne leur a pas autorisé de tout dire. Donc, ce n'est pas le moment peut-être du procès. On aurait pu, comme Firmin l'a dit, en 83 également, Thomas Sankara avait fait un coup d'État. Voilà, on aurait pu établir tout ça aussi. C'est-à-dire qu'on est dans cette logique qui tue par épée, n'est-ce pas, meurt par épée. Mais on aurait pu aussi, le procès, si tout le monde était d'accord, le procès aurait pu aller de l'autre côté également, qu'on puisse savoir quels ont été les commanditaires, parce qu'un petit lieutenant ne peut pas se lever comme ça seul et aller faire un coup d'État. C'est tout un complot. Et les gens impliqués, par exemple, pour Blaise Campore, on a eu écho que même l'éminent Gaddafi était également impliqué, que des émissaires, même à la veille du coup d'État, étaient venus de l'autre. Donc, aujourd'hui, il y a totalement... c'est une zone d'ombre. Sinon, en fait, c'est pas un procès pour rétablir la vérité, mais comme Mme Blaise et Mme Sankara l'a dit, pour la mémoire, en fait, c'est pour la mémoire de son mari. Mais il y a encore d'autres procès comme... le journaliste Norbert Zongo. Il y a par rapport aux condamnations, beaucoup s'étonnent aussi que la justice ait eu la main lourde contre Gilbert Diendéré, alors que lui, il était chef d'état-major, il n'était pas du commando qui est allé assassiner le président de Sankara et ses 12 compagnons. Il a accepté venir au procès. Pourquoi on le condamne à la perpète comme Blaise Compaoré? Je me dis, est-ce qu'on a mûri véritablement la décision avant de la prendre? Ou bien c'était son attitude aussi, parce que dans le procès, on l'a vu, il était distant, il n'a pas exprimé de regrets. C'était comme il n'était pas là, finalement. Vous voyez même son comportement, comment il était habillé. Oui, parce que c'est le général qui est là. Je crois qu'après, on lui a demandé de comparaître en civil, je crois. Sinon, au départ, il était entré régulièrement. Et puis, vous avez vu son élégance. Et puis, sa façon même de s'asseoir, en mettant samedi sur le dimanche. Au fait, vous savez, c'est ça. Parce qu'il savait qu'au fait,
C'était oui. tout ce qui se passait, c'était des artifices au fait. Oui. Tout l'heure du procès même n'est pas encore, oui. n'est pas encore arrivée. Oui, l'heure de savoir la vérité. Mais ça dit il a des choses à dire. Il a des choses à dire. Et ceux-là qui sont là étaient en train de, ceux-là qui étaient en train de blaguer. C'est pourquoi je dis que tous ceux qui ont participé au procès ont un pistolet sous la tempe. À partir du moment où la déclassification par la France des archives qui pouvaient comporter des éléments accablants vis-à-vis de tous ceux qui ont participé à ce coup n'ont pas été déclassifiés, puisque la France a donné une partie, mais l'autre partie n'a pas été donnée. Ça veut dire qu'on a soustrait des preuves qui devaient nous permettre de connaître la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara. Voilà pourquoi. Je me dis, il savait que ceux-là qui étaient là étaient en train de s'amuser, parce qu'il sait que lui, là, la vérité, il était à l'époque chef d'état-major, il savait exactement comment le truc avait été préparé. C'était des militaires. Parce qu'on ne pouvait pas faire un coup d'état sans que, à l'époque, le chef d'état-major, et puis il n'était pas en grand nombre à l'époque. On ne pouvait pas faire un procès sans qu'il ne soit mis au courant. Il savait qu'il a la vérité. Il sait comment ça se passe. Depuis 35 ans, militairement, le général Diendéré sait comment fonctionne militairement l'Afrique de l'Ouest. Il sait ce qui se passe. Il sait comment les coups d'État s'organisent. Il avait toutes les informations. Il sait comment les rebelles, les djihadistes, les terroristes fonctionnent. Donc il maîtrise tout ça. Il sait comment les armes circulent dans les pays. C'est un agent de renseignement puissant. N'oubliez pas que c'est lui qui a dirigé le régiment de sécurité présidentielle pendant longtemps, ce corps d'élite-là, cette garde républicaine. Donc il sait que, bon, il croise ses pieds, comme il était en face des enfants qui s'amusaient, quoi. Donc la vérité, elle est là. Elle sera jamais dite. Mais j'applaudirai peut-être une certaine sagesse de ceux qui ont conduit le procès et qui ont mis fin à ce procès-là. Parce qu'ils ont été sages, parce qu'ils n'ont pas permis à ce que certaines vérités sortent. Cette vérité même que beaucoup attendaient. Ils n'ont pas permis à ce que ça sorte. Peut-être c'est là où je dis, j'applaudis leur sagesse. Ils l'auraient permis. C'est quoi cela. C'est que l'opinion n'est pas préparée à la vérité. Non, c'est comme on le dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et encore que nous sommes sur un terrain politiquement glissant, nous sommes un terrain diplomatiquement glissant, on ne pouvait pas sortir des noms ou des choses là-bas. L'opinion ne pouvait. Peut-être l'opinion savait, mais il y a des choses qui ne peuvent jamais être rendues officielles. Je me rappelle encore cette phrase de Norbert Zongo qui dit quand vous avez le courage d'appuyer sur la gâchette, et le courage de dire je l'ai fait. Oui, c'est ça. Normalement, c'est ça la valeur de l'homme. Ouais. Non, ça doit être ça la valeur de l'homme. C'est pourquoi, même ailleurs, quand un militaire, il déconne, il prend son pistolet, il se termine. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Ouais, c'est la valeur. Mais les gens n'ont pas la valeur. Ils sont là seulement pour tuer les autres. Mais non, ici, nous sommes dans une situation d'affaires d'État. Mais en affaires d'État, on ne tue pas comme ça. Prenez les gens, vous tuez parce que vous avez la gâchette facile, c'est pas normal. Il y a d'autres moyens pour arriver à bout des champs. Est-ce que vous voyez? Donc, Thomas Sankara, je parle de Blaise Compaoré. Vous voyez, vu, il est maintenant vieillissant. Qu'est-ce qu'il va aller faire en prison? Il est déjà en prison. De toute façon, l'exil, c'est une prison. Qu'on le veuille ou pas. Son pays va lui manquer tous les honneurs. Qu'on lui rendait les voitures de sécurité, les haies, le cortège. Oui, tout ça, la va lui manquer. Peut-être c'est ça qui fait que sa santé se dégrade. Diendéré, aujourd'hui, il est resté. Les autres, 61 ans. Il est encore jeune. Et les autres sont toujours beaux. À l'extérieur, il va falloir. Hein, comme lui, il est déjà là, il ne va pas fuir. Moi, je pense qu'on peut même le libérer. Si lui-même, il peut se promener dans les villes. Du Burkina, qu'il le fasse et qu'il aide également ses jeunes frères à participer à la pacification du Burkina. Oui, vous savez, Samuel, je pense que la sagesse avec laquelle on a conduit ce procès, moi je me dis, ça va inspirer d'autres pays. Hein. N'oubliez pas que nous n'avons pas encore connu le procès au Sivanus Olympio au Togo. Le procès Sivanus Olympio, moi je l'appelle toujours une mort diplomatique, hein, c'est un assassinat diplomatique. Parce qu'on ne sait pas exactement qui a assassiné Sivanus Olympio. Entre-temps, même si en entre-temps, on avait entendu parler du général Yadema, c'est passé ça.
toujours été. Après, lui, il a dit que ce n'est pas lui. Après, il a dit que c'est plus maîtrier. Maîtrier, hein, on a parlé d'un certain maîtrier. Donc, vous voyez que ça fait lourd. Ça fait lourd. Il y a aussi des dossiers à déclassifier. Quand on va dire que c'est la France qui a fait liquider Thomas Sankara, après, c'est la France qui a fait liquider ou bien qui a liquidé. Comment vous l'appelez, Sylvanus Olympio, ça fait lourd pour. Donc c'est pour ça peut-être cette sagesse-là va peut-être inspirer au Togo, la justice togolaise, pour organiser peut-être un procès. Un procès pour dire peut-être avec un procès, on peut organiser un procès comme ça et puis peut-être coller quelques années au présumé commanditaire et après la France est blanchie dans cette histoire. Oui, on va dire que ce sont les Togolais qui ont eux-mêmes tué leur propre frère. Après, c'est fini. C'est le lieu, peut-être c'est le lieu pour tous ceux qui en savaient quelque chose. Hein. Parce que vous voyez, il y a le professeur Roger Danioué de l'Université de Lomé qui avait écrit un livre, je ne sais pas, il y a des mains, le diplomate ou le pyromane. Dans le livre, quelque part, il a révélé une partie de ce coup d'état de 63. Même, je crois, j'étais même à la dédicace de ce livre lorsque il disait que, je crois, après l'assassinat, je crois que pour témoigner de. C'est-à-dire que c'est moi qui ai tué, et quelqu'un allait avec un couteau qui a arraché le tendon d'Achille, n'est-ce pas, de Sylvanus Olympio. C'était publiquement à l'université que ça a été dit. Mais après, je crois que le livre. A rapidement disparu. Oui, des circuits. D'accord. Est-il que nous avons besoin que nos historiens fassent le travail, même si c'est à la veille de leur mort, pour qu'on connaisse la vérité. Parce qu'on a besoin de ça. Parce que, par exemple, dans le cas de Diendéré, ses mémoires, peut-être dans quelques années, pourraient édifier. Mais aussi, n'oublie pas le procès Patrice Lumumba. Ouais. Jusqu'à présent, il y a des vérités. Lui, c'est qu'on n'a même rien retrouvé. Il n'y a qu'une dent qu'on dit. Mais on pourrait quand même. Mais voilà, Luc Lahoussi est mort. Mobutu. Mobutu est mort. Le général Yadema, il est mort. Mobutu, il est mort. Mais on pourrait quand même organiser un procès. Non, pas un procès, mais les scientifiques peuvent organiser des colloques pour, n'est-ce pas, ressasser tout ce qui a été, tout ce qui est, même si c'est contradictoire, que ça se sache. Quoi. Mais le fait est que tous ces hommes qu'on cite aussi, il y a une constante, c'est que tous... pratiquement sont assassinés par leurs propres compatriotes, même si après on dit qu'il y a une main derrière, c'est qu'il faut aussi que les gens se réveillent. Oui, se mettre aux ordres d'autres personnes en se tuant. Attendez, tous les Africains togolais qui sont morts sur la voie de la démocratie, c'est ce que j'ai dit, que ce qui arrive par exemple au président ukrainien, où l'Occident l'a poussé dans les heures, c'est la même façon que l'Occident a poussé les Africains avec tuer leurs frères. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont avec les pouvoirs séquentenaires qui vont rester, mais ils donnent des illusions aux gens que allez-y, la démocratie, nous sommes derrière vous. Et c'est comme ça. Mais tout ça là, c'est nous-mêmes qui devons prendre conscience. D'accord. Que nous sommes en train de. On va passer au dernier sujet, si vous le permettez. Il faut une jeunesse, comme on le dit, qui s'émancipe aujourd'hui. Le dernier sujet, on va parler du Togo et du Ghana avec ce rapport de Konrad Adenauer. Le Togo et le Ghana sont des pays où les djihadistes recrutent des jeunes combattants à qui, à leur cause, ces groupes djihadistes se financent en grande partie grâce à l'exploitation des mines d'or mal contrôlées par les forces de l'ordre de sécurité. Information donc donnée par Konrad Adenauer. Stiftung. L'organisation allemande précise que les deux pays sont aussi un véritable refuge pour les djihadistes présents dans le Sahel depuis plusieurs années. Ces révélations sont contenues dans une étude publiée mercredi par la Fondation dans son rapport titré « La menace djihadiste dans le nord du Togo et du Ghana ». La Fondation estime que le nord du Togo est devenu un refuge facile pour les groupes armés mal contrôlés par l'État. Il a longtemps servi de transit pour les trafiquants de drogue. C'est aussi une zone de conflit communautaire. Il en est de même pour le Ghana. Firmin Teko, ça vous surprend d'apprendre ça? Un peu, mais avec l'évolution du monde et avec
la vulnérabilité des populations, je me dis que tout ça là est possible. Parce que quand je me rappelle un peu les enquêtes qui avaient été menées après 2010 en Syrie et en France, où on sait, au terme de ces enquêtes, on a réalisé que la plupart des djihadistes qui travaillaient en Syrie étaient recrutés en France parce qu'ils étaient vulnérables. Ils étaient vulnérables, ils n'avaient pas d'emploi, il y avait des gens qui étaient des SDF, donc il fallait juste qu'ils aillent sur Internet et ils tombaient sur les offres d'emploi. Des offres faramineuses où on vous recrute, vous allez travailler en Syrie et à la fin du mois, vous payez à partir de 2000 euros, 3000 euros comme ça. Vous travaillez pendant 6 mois et après on vous libère, après on vous recrute. Et là, pendant tout ce temps, après 6 mois, on commence pas à vous travailler psychologiquement. C'est là où on détruit votre mentalité. Et ce sont ceux-là qu'on a envoyé en 2015 en France, et ce sont ceux-là aussi qu'on envoyait dans les pays comme la Tunisie. Je me rappelle aussi qu'en avril ou en mars 2015, il y avait eu une attaque terroriste en Tunisie. Ce n'était pas à Tunis, mais c'était dans une autre ville-là. Et on a appris que le jeune là qui était dans le lot, qui était le patron du lot, était un vulnérable, était en chemin et qu'il avait eu à travailler aussi en Syrie. En Syrie, il a été recruté entre-temps en Syrie. Donc, qu'est-ce que je veux essayer de faire observer? Ce que je veux essayer de dire, c'est que quand vous avez des populations beaucoup vulnérables, surtout en ce 21e siècle, c'est un véritable danger. C'est un véritable danger. Nous avons, en ce temps si difficile, les Togolais, il est difficile à ce que certains, la plupart des Togolais même, mangent deux fois par jour, s'assure deux fois par jour. De par le passé, 20 ans plus tôt, on nous disait que les Africains n'arrivaient pas à s'en sortir ou ils vivaient avec moins de dollars par jour. Aujourd'hui, je pense que c'est pire. C'est pire. Et si le djihadisme atteint ici et commence par recruter, ça veut dire nous avons encore plus chuté. Et on doit commencer par réfléchir. Nous sommes dans une partie, ce qui nous intéresse ici, c'est justement, c'est le Togo, dans une partie du pays où l'incidence de la pauvreté est très grande. C'est ce que disait Firmin, c'est le terreau fertile. Ah oui, je pense que l'autorité même a pu constater que même cette zone-là, hein, dont on parle nord, extrême nord d'apparence, sinon la zone des savanes, et aujourd'hui, on constate de jour en jour que ça devient une singularité. D'accord ? Quand je prends, même en termes de manifestation, que c'est à Dapaon que deux enfants ont été assassinés, je crois, en 2012 par les éléments des forces de l'ordre, qui sont les enfants qui sont sortis dans les manifestations scolaires et dont jusqu'à ce jour, on n'a pas eu à avoir, comme on le dit, on a eu des procès ailleurs. On attend peut-être 100 ans après pour organiser un procès. C'est là-bas que on a vu un enfant qui est sorti, que est ressuscité et des morts, si vous vous rappelez. Et puis, pas plus tard que la semaine dernière, c'est Dapaon qui fait même la singularité, même en termes de coefficient intellectuel, si on en croit à ce que le ministre Tchédé a dit, que quand on fait des concours, de l'enseignement, de la santé, qu'on ne retrouve pas les gens de la savane, qui sont les derniers. Il n'a pas à s'excuser parce qu'il a pris à témoin le ministre de la sécurité, c'est très important. Après, il s'est excusé, il a présenté ses excuses. Certainement, il a pris conscience de ses propos. On se rappelle qu'il y a même une période où on avait organisé même un concours de l'enseignement, et ce concours, on a dû reprendre à Tchévier le concours des enseignants, je crois, de la zone des savanes. Donc, ça veut dire que ça pose un réel problème. Ou soit les gens ont décidé délibérément de faire des savanes un isolant, coupé de choses. Et c'est tout à fait normal que les djihadistes viennent recruter les gens là-bas. Parce que c'est dans les zones les plus pauvres et qu'on recrute, n'est-ce pas, de ce genre de manifestants. Mais attendez, je parle avec réserve parce que je connais bien beaucoup
de la région des savanes. Mmh. Je suis très âme, sinon même les savanes, c'est nos cousins. Entre les bassins et les savanes, les gens sont intelligents. Les gens sont intelligents, mais c'est que peut-être que le pouvoir a voulu peut-être en faire une singularité. Et voilà les conséquences. Que c'est normal, puisque même la dernière fois, l'année dernière, lorsque le chef de l'État a lancé son programme de lutte contre la vulnérabilité, c'est Dapaon qui avait, sinon c'est la savane, qui avait été retenue. Oui. Alors que tout le Togo... Je pense que le document de Konrad Adenauer le reconnaît. Il dit que le gouvernement a mis en place des projets de développement comportant des services de base dont manquait la population, afin de dissuader les jeunes de rejoindre les groupes terroristes. Voilà. Est-ce que ces projets qui ont été lancés, est-ce que ça a impacté les populations? Est-ce que vous voyez, est-ce que ça a impacté, ça a été réalisé ou bien c'était encore des feux de paille, comme on a l'habitude de nous les servir, qu'il y a tel projet, tel projet, on dit karma, alors que les femmes continuent de mourir en allant accoucher. On a sorti encore un autre concept tout dernièrement, Ouezou, alors que ça continue. L'hôpital, nos hôpitaux sont devenus des mouroirs. Vous pensez que les services de base ne sont pas présents dans ces zones? Ça peut expliquer donc le djihadisme, c'est les souches, la base, c'est les populations vulnérables. Et nous le disons, quand vous voyez aujourd'hui, même dans tout notre pays, à tous les carrefours, vous voyez des enfants qui sont au feu rouge, au feu multicolore, qui deviennent de plus en plus nombreux. Ça avait commencé depuis des années, je crois, il y a 3 ou 4, je crois, même avec, comment il s'appelle, Norbert. J'avais évoqué ça ici, qu'on ne peut pas laisser les enfants dire que c'est des Touaregs qui sont au feu rouge, alors que, au feu multicolore, alors qu'on dit que dans notre pays, un enfant de tel âge, c'est-à-dire de moins de 15 ans, il est à l'école. Doit être à l'école. D'accord. Et on voit les enfants, donc ça ne peut qu'attirer les nôtres. Et voilà, aujourd'hui, c'est les terreaux. Tout ça là, c'est des terreaux du terrorisme. Et quand la zone est pauvre, quand la savane est pauvre, pourquoi c'est pauvre? Parce qu'il y a des projets de développement pendant des années sur tout le pays. Pourquoi ces projets n'ont pas permis, n'est-ce pas, aux populations? Bonne interrogation. Il y a quelque part dans le rapport, on dit que plus de 200 jeunes Ghanéens se repartissent dans des groupes comme Ansar al-Islam, présent au Burkina Faso ou encore au Mali, ou encore le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait aussi des Togolais, parce qu'on dit qu'ils sont recrutés, qui se combattraient dans ces groupes terroristes? Oui, c'est possible qu'on ait des Togolais. Parce que si je pose la question, c'est que vous savez qu'on dit souvent que le Togolais, il est fondamentalement pacifique. il est fondamentalement pacifique, mais je me dis, ce comportement peut le garder jusqu'à quand la pauvreté ou la faim atteint un niveau important et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Vous savez, moi j'ai rencontré un jeune, et ça fait déjà 3 ou 5 ans que je l'ai rencontré. Il m'a dit, quand on parle de l'hôpital et que quand les journalistes disent qu'au niveau des hôpitaux, le pouvoir fait des efforts, que lui, ça l'énerve toujours, ça lui rappelle sa mère de fente. Parce qu'il n'avait pas 1000 francs, sa maman est décédée. 1000 francs. 1000 francs. Oui. Parce qu'il n'avait pas. Parce qu'à l'époque, il vivait dans une localité, sa mère était souffrante, et il fallait la transporter à l'hôpital, alors qu'il vivait dans un village qui n'était pas proche d'un centre de santé. Donc, 1000 francs, ils avaient juste besoin de 1000 francs pour aller acheter paracétamol, aspirine. Donc, ils n'avaient pas 1000 francs. Ils ont demandé à tous ceux-là qui étaient aux environs, ils n'ont pas pu trouver 1000 francs. Et donc, quand on parle d'hôpital, vous imaginez, ce monsieur est marqué à vie. Vous imaginez, donc dans des situations où vous êtes marqué et vous ne trouvez plus de port de sortie, il est possible que vous vous adonniez à des actes, mais peut-être que vous condamniez. Donc si on peut avoir des Togolais, oui, possible qu'on ait des Togolais, parce que quand vous allez dans les savanes, il y a des choses que vous rencontrez qui ne sont pas possibles. Même ici à Lomé, pourquoi nous sommes dans les savanes? À Lomé, vous savez, Samuel, je ne sais pas, je vais vous demander de faire cet exercice-là. À midi, circulez dans presque tous les ménages à Lomé. C'est-à-dire au niveau, peut-être dans les banlieues, au niveau de Bain, au niveau d'Agoué, à Dido Gomé, dans les banlieues, les lieux un peu, pas trop loin des chaussées, vous allez voir, il est difficile que les gens s'assurent 2 repas par jour. Moi, je connais des familles... À midi, les gens ne préparent pas. Je connais des familles qui ne mangent que le soir.
Je connais des familles qui ne mangent que le soir. À Lomé, ce n'est pas à l'intérieur, à Lomé. Et quand on vous raconte des histoires des filles de ces familles, vous allez pleurer. Mais pourtant, vous êtes quand même au courant que chaque fois on nous vante des projets de développement, des programmes qui sont mis en place, on nous sort surtout des rapports qui positionnent positivement le Togo. Il y a un contraste rapports, avec ce que vous dites. Non, je pense que sur le plan macroéconomique, le Togo fait des efforts, mais si le prend micro, le Togo a des soucis. Ah ouais. C'est la somme des micros qui donne le macro. Quand on parle de recrutement des djihadistes, vous savez, le djihadisme en tant que tel, la base fondamentale, ce n'est pas la religion. Mm-hmm. La religion, c'est un moyen de manipulation. Exactement. Sinon, c'est le trafic. Mm-hmm. Trafic d'or. Trafic de cocaïne, de drogue. Mmh. Même d'êtres humains. D'êtres humains. Mmh. Des choses. Et tout. Vous savez, aujourd'hui, le problème auquel nous sommes en train de nous confronter, dont l'autorité même ne s'intéresse pas, parce que tous les syndicats qui sont autour de l'industrie, des transports et du transit et du port sont, disons, font conduire, c'est-à-dire que sont comme l'État, c'est-à-dire que personne ne veut rien dire. Mmh. Mais aujourd'hui, quand un véhicule, un camion quitte, par exemple, Lomé pour aller à Niamey, ce que nos transporteurs vivent sur la route, vous ne pouvez pas imaginer. Mais les gens sont... Bon, je sais pas, pour avoir fait la route quelquefois, que le... par exemple, quand vous prenez le corridor de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, vous n'avez pratiquement aucun checkpoint. Non. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous parlez des rançons. Les rançons, il y en a. Oh, les rançons, bon, y en a. De Lomé si à Saint. Les fois non, où moi je les ai faites, je n'en ai pas. Je parle des djihadistes. Ok, d'accord. Quand les camions, par exemple, traversent quand même, ils payent, ils finissent de payer les rançons, parce que c'est sur la route, hein, de Lomé, il y en a. C'est sur la route, quand il finit de payer, il faut passer de Bitou à Fada Ngrouma. Ouais. Mais quand vous prenez d'abord l'état de la route, est piteuse. Et maintenant, c'est à ce niveau-là que les djihadistes attendent. Mmh. Régulièrement, ils sont arrêtés, c'est-à-dire que les chauffeurs sont arrêtés, et on saute les plombs des conteneurs pour regarder à l'intérieur. S'il s'agit, par exemple, de la boisson, s'il s'agit de la cigarette et autres. Mais si ce n'est pas boisson, cigarette, on vous laisse passer. Mais si c'est boisson, on vous brûle. On brûle le véhicule parce que c'est interdit. Ils ont interdit de transporter la boisson vers là. Donc, maintenant, la semaine dernière, on a eu deux camions de transporteurs togolais qui allaient et qui sont tombés dans l'embuscade. Des djihadistes et qui ont contrôlé, ils ont vu que c'est quoi? C'était les produits pharmaceutiques dans les conteneurs. Ils ont bloqué. Les produits pharmaceutiques, c'est plus cher que le jus. Vous voyez, non? Mais ils ont bloqué. C'est pourquoi on dit les djihadistes, ils cherchent autre chose que les hommes à tuyer. Ouais. Sinon, ça, il faut quand même les féliciter, malgré le fait qu'ils soient des djihadistes, qu'ils épargnent. Et la vie de nos compatriotes qui font ce travail. Ils sont plus dans les trafics. Ils ne prennent pas l'argent, ils ne prennent pas de l'argent. Mais si vous avez des produits spécifiques comme ça, comme cigarettes, comme des produits, ça, sachez que ça ne va pas. Le rapport de Konrad Adenauer pointe également quelque chose. C'est la tendance des pouvoirs togolais, ghanéens, à nier ou à sous-estimer le danger djihadiste et qui nuit à la réponse des pouvoirs publics. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'au niveau des autorités togolaises, il y a cette tendance, se fait voir, à sous-estimer l'ampleur du phénomène? Moi, sur le plan militaire, je me dis qu'ils ne sous-estiment pas. Mais sur le plan social, ils sous-estiment.
Sur le plan militaire, on voit toutes les précautions qui sont prises aujourd'hui pour assurer la sécurité du pays. Vous voyez, vous savez qu'au nord, déjà, il y a un point. Là, vous savez, avec ce que nous avons appris tout récemment en 2021, la manière dont les autorités togolaises se battent sur le plan militaire pour faire face aux djihadistes. Mais sur le plan social, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas, qu'ils sous-estiment le problème. Quand on leur dit que les gens ont faim dans le pays, j'ai l'impression qu'ils ils ne veulent pas prendre ça au sérieux. Alors que le nœud du problème, c'est à ce niveau. Vous savez comment Boko Haram est né? Boko Haram est né parce que à l'époque, il y avait Mohamed Youssouf qui s'est dit, il était au nord. Il a appelé tous ses frères, tous ceux-là qui sont vulnérables, tous ceux-là qui ont fréquenté mais qui n'avaient pas de boulot, toutes les filles qui avaient fréquenté, qui n'avaient pas de boulot mais qui se prostituaient, il les a regroupés quelque part. Il leur a dit, nous souffrons parce qu'il y a la corruption au sud. Ceux-là qui sont au sud, ils gèrent notre pays, ils s'accaparent nos richesses et ce sont eux qui nous mettent dans cette situation. Et c'est là où on a créé un petit État au nord. Et pendant des années, il leur a transformé l'esprit, il leur a détruit leur mentalité pour leur dire, celui-là, c'est lui votre ennemi, votre frère du Sud, c'est lui votre ennemi. C'est comme ça la chose est née. On a pris les personnes vulnérables. Aujourd'hui, quand on parle, on dit aux autorités que le problème arrêté, ce n'est pas le militaire. Le problème militaire va être la réponse. Mais il faut détruire le problème depuis la base. C'est là où ils sous-estiment. Sur le plan militaire, ils ne sous-estiment pas. Ils prennent toutes les précautions. Mais sur le plan social, ils sous-estiment. C'est oui, comme... mais en même temps, même quand vous dites qu'ils ne sous-estiment pas sur le plan militaire, et que le rapport nous apprend que la circulation est très facile, alors que vous savez par exemple qu'il y a l'opération Koundouaré qui est là. Le général Yark nous a dit que le nord il est bien quadrillé, on n'a rien à craindre. S'il y a cette circulation là, est-ce que ça marche? Est-ce que le renseignement marche? Non, peut-être ça marche. Peut-être, vous savez, ce que nous avons... Parce qu'ils viennent nous recruter, hein, d'après le rapport. Ils viennent nous recruter, mais peut-être les autorités vont se dire qu'on ne fait pas du mal. Peut-être ils sont au courant. Peut-être ils arrêtent un certain nombre dont ils ne communiquent pas dessus. Peut-être ils prennent avec tous les dispositifs militaires et avec tous les renseignements. C'est que le Togo met beaucoup de moyens dans ces renseignements. Moi, en ce qui concerne le recrutement et tout ça, je pense qu'on met la main sur, on mettrait la main sur un certain nombre de personnes et on ne communique, on ne cherche pas communiquer là-dessus. Mais sur le plan social, c'est là où je me dis qu'il y a un petit péché. Sur le plan social, il y a un petit péché. C'est-à-dire, dans un pays... Pas un petit, comme je le dis comme ça. Vous faites comme eux. Je ne peux pas dire grand péché. Je dis grand péché. Mais regardez, dans un pays où les Togolais, ça se fait difficile, où la vie est excessivement chère, et ça ne dit rien. Depuis là, on ne prend pas de mesures urgentes pour faire face à la vie chère. En quoi que, j'ai l'impression que quand on dit que les Togolais ont fait, c'est les autorités croient qu'on est en train de commander. Oh, la solidarité, elle est obligatoire. Regardez, nous avons suivi Emmanuel Macron tout à l'heure, qui parle du pouvoir d'achat. Les Français tiennent à ce pouvoir d'achat parce qu'ils savent que du moment où la population française sera vulnérable, c'est un danger pour la sécurité du pays. Et l'histoire l'a prouvé. Vous avez vu, quand Hollande arrivait au pouvoir, il a dit la lutte contre le chômage, c'est ma priorité. Et si après 5 ans, je n'arrive pas à faire baisser la courbe, je ne me représente plus parce qu'il sait qu'à l'époque, le terrorisme était évident. Donc pour lutter contre le chômage, il faut chercher... contre le terrorisme et contre ce recrutement-là. Il faut travailler à faire relever le pouvoir d'achat, c'est-à-dire tout d'abord créer des moyens de circulation de l'argent. Hollande avait parlé de redistribution de la richesse nationale. Est-ce qu'on redistribue aujourd'hui de façon efficiente, efficace, au Togo et au Ghana, les richesses nationales? Ce n'est pas recommandé, c'est parce que ce qui est dans les trésors, c'est pour la population. Il faut trouver des mécanismes. Et il y a des mains, même si vous ne l'aimez pas, Francisco Napoko le faisait, c'est bien. Le fait qu'il distribuait à l'époque, il distribuait à sens circonflexe, vous allez voulu ce que fort distribué. Non, c'est-à-dire, c'est ce qu'il fait en fait. Il fait comme les Occidentaux. Eux, ils ont essayé de rendre ça beaucoup plus méthodique en créant le RSA, le RMA, pour ceux-là, les nécessités qui n'ont pas de moyens, qui ont été à l'école, mais qui n'ont pas de boulot. Donc, c'est ce qu'ils faisaient en fait. Au fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est de faire circuler l'argent dans le pays. Dans un pays où l'argent ne circule pas trop, où les gens ont trop faim, c'est danger rappelle, pour la sécurité. Ça me rappelle, oui, ben, vous rappelez que... Talon, quel argent ne circule. Les salaires sont payés. Vous savez, Macron, c'est un homme de parole. Mais Hollande, il ne faut pas comparer Hollande à d'autres personnes. Vous savez, j'ai souvent dit ici, parce que des fois, on a l'impression que les gens ont érigé, c'est-à-dire la pauvreté, la paupérisation de la population en mode de gouvernance. Et même, je suis allé même jusqu'à dire que nous avons un gouvernement pickpocket.
pocket. C'est-à-dire que, vous voyez, tout dernièrement, hein, on vient d'augmenter le carburant, le prix du carburant, et subitement, on nous dit qu'on va, on va prendre les mesures pour aider. Pourquoi avoir augmenté si vous n'avez pas pris les, si vous n'avez pas les mesures pour aider? Maintenant, avec ces buzz d'informations comme la bourde du ministre Tshédé et d'autres de l'enseignement, on fait que les Togolais ont oublié qu'on a augmenté le prix du carburant. Est-ce que vous voyez? C'est que, non, c'est quand vous suivez la logique du gouvernement, c'est qu'ils sont dans leur, ils sont dans leur logique. C'est que rien pour les populations, tout pour nous. Est-ce que vous voyez? Mais, vous, attendez, dites à certains membres du gouvernement, même au sommet de l'État, mais il y a des gens qui ne savent pas comment on a... C'est-à-dire qu'on dit qu'on a faim. C'est-à-dire que... J'ai écouté Agbeyome qui souvent dit « à Mounkona, à demain, ou bien il ne mange pas, à demain, des six, ou bien quoi, trois fois par jour. » Non, vous parlez de choses. Les gens ne savent pas ce dont vous êtes en train de parler. Avoir faim, c'est-à-dire le ventre creux, jusqu'à aller même et prendre les choses, les croûtes de casserole pour manger, les gens n'ont jamais fait ça. Donc, ils ne peuvent pas savoir ce dont vous parlez. Mm. Mais le problème togolais est profond. La solution aujourd'hui, c'est d'agir sur le social. Mandat social, n'oubliez pas. Non, il faut oublier le mandat social. Il faut oublier aussi comme quoi les Togolais demandent de l'aumône. J'ai souvent dit que lorsque nous prenons... Allez-y rapidement. Parce que lorsque nous prenons les hôpitaux, nous n'avons même pas encore d'hôpital pour dire que vous faites karma. Construisez les hôpitaux, ça fait partie des rôles régaliens de l'État. Construisez les hôpitaux. Si quelqu'un n'a pas les moyens, il y a déjà les services sociaux au niveau des hôpitaux. Mmh. Il va au service. Il s'adresse et puis on n'a pas besoin de créer des concepts karma. Non, ça ne sert à rien. C'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre. Faire plus de social. Merci beaucoup. Hein, si le temps est parti. Le débat est intéressant, mais le temps est parti. Merci beaucoup, Francisco Napokora. Firmé Tego, merci d'être passé. Deuxième fois pour vous deux. Il y aura une troisième fois. Merci à tous et à samedi prochain.